Yo les potes, une nouvelle boutique du, attendez, 6 novembre, ok. Du coup, on a le pack Monopoly. Donc c'est dommage parce que j'ai failli l'acheter. Heureusement que je l'ai pas acheté en magasin, etc. Parce que ça aurait coûté au moins 40 euros. Alors que là, ils sont en boutique en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Parce que de base, c'est censé être une collaboration. Faut acheter un jeu Monopoly pour les avoir. Sauf que là, bah, tu peux les acheter en boutique. Donc je vois pas l'intérêt. Mais c'est pas grave. On va quand même les acheter. Mais du coup, c'est un peu dommage pour les personnes qui voulaient que ce soit exclusif. On a ensuite la tenue Folding avec le sac et la pioche. La tenue Echo avec sa pioche. Le skin Insatiable qui est un skin d'Halloween. Je sais pas ce qu'il fait là, il s'est perdu. Ok, avec la pioche. Le skin Rôdeur des rues. Ok, en doré comme ça, stylé. Le skin Rossignol que j'aime beaucoup. Des petites danses. Ok, et chaud bouillant. En bas, on a les skins un peu comme ça, là, tie-dye, je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est l'un des seuls packs de skins où il n'y a que des filles, genre. Y a pas de skin mec. Peut-être parce que Fortnite s'est dit, vas-y, les skins mecs, personne les achète. Du coup, on met des skins filles. Et ils ont raison. Ensuite, on a Jinx qui était là hier. On a le Colorado, je sais pas quoi, là. Horrible. Je crois que je l'ai jamais joué. Le Batman. Et le pack Legend Fresh. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour ce code créateur est sur la boutique Fortnite. Ciao!